On peut mettre n'importe quel type d'animaux sous les arbres. Avec les bovins, ça craint, on va dire, à l'implantation. Après, une fois qu'ils sont adultes, bon, il n'y a plus trop de protection à faire avec ça, quoi. Après, les chevaux, peut-être que c'est un petit peu différent. donc, moi, j'en ai pas sur l'exploitation, donc je suis pas embêté. Mais bon, le voisin qui a pas mal de chevaux ou quoi que ce soit, hein, ils sont vraiment bien abîmés. Et on a même beaucoup d'arbres qui en souffrent énormément, quoi. Donc, bon, ça, les chevaux là-dessous, ça serait pas conseillé. Ou il faut mettre des grilles, ou bien. Sur l'exploitation, la possibilité d'avoir une grue, donc on travaille la terre assez profondément. Quand on plante, on va dire, du pommier ou de l'arbre, donc on peut se permettre de faire, on va dire, un mélange de terre plus profond, et ce qui permet, on va dire, aussi une facilité d'implantation, quoi. Quand on va dire, on plante à la main un arbre, on fait souvent. Hein, quand on, une fois qu'on est descendu au-dessous de 30, c'est bien, c'est assez difficile. Là, quand on est dans des présences d'argile assez dures, bon, bah là, on va plutôt descendre à 60, 80. Bon, ça ne nous pose pas de problème, quoi. Après, on va dire, des accidents de reprise sur les arbres, on n'en a pas eu énormément. On en a eu un en pommier, mais bon. Après, a priori, c'est plus peut-être, on va dire, le fait de transport, d'avoir des racines un peu trop nues, ou le fait d'asphyxier comme ça, non, on n'a pas. Après, bah, le fait de planter, on va dire, à la grue, hein, quand on plante un pommier aux tiges, on fait un trou d'un mètre sur un mètre sur 60 à 80 de profond, il n'y a pas de compaction, quoi.